Allez. Allons-y. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Allons-y. On commence sur un sujet sensible. C'est qui l'idée? Est-ce qu'on peut juste mettre l'abréviation ou les tout? Pitié, dis quoi que c'est lui. Non, je suis pas sûr. Vas-y. Bah, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Au pire, on mettra, on mettra un point bonus. Ok. Ah, une question facile. On a pensé pareil. Ah putain, attends, c'est peut-être. Je pense que je me trompe. Un saxophone. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas un l'autre. Saxophone. Je crois que je me suis trompé peut-être aussi. Alors là, j'irai ça. Je dirais ça, mais je suis vraiment pas convaincue. Pardon ? Quoi ? Je sais pas. J'ai pas. Ah, j'ai le bas, mais j'ai pas le haut. Je pense avoir les deux, mais je suis pas sûr. J'ai les deux. Ah, je suis nulle en politique. J'ai pas gars. Du tout la première personne. Bon. Je crois que je connais juste pas la première personne. C'est tout. Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'écrire, je sais pas. Je pense que c'est ça. Ah non. Peut-être je me trompe. Je sais plus. Non, j'ai pas eu le temps d'écrire. Ah, je pensais que c'était un rébus, mais non. Attends. Bah non. Mais ça tombe bien qu'on joue à ce jeu parce que je suis nulle à ce jeu. J'étais en mode c'est soit l'un soit l'autre, mais on va prendre le deuxième mot. Peut-être que c'était. Non, c'est le deuxième, c'est celui-là, je pense. Oh, un petit bac. Nick. Oh non. Putain, je sais pas. Attends, c'est nom de famille. Oh. What the fuck. Non. J'ai rien. Ma vie est nulle. J'ai rien. Je sais pas. Après ça va, je remonte. J'ai rien du tout. Oula, j'ai que deux trucs. J'ai mal écrit mais putain. J'ai pas arrêté. Ah putain, je savais. Ah oui, je savais aussi. Mais alors là. Non. Bah, c'est pas. Non, c'est ça. Bon, je vais mettre ça, mais c'est pas ça. Je crois que... Non. Ta mère. Ah, alors, oui. Ah, je crois que c'est l'autre. Bah, je crois que c'est celui-là, mais c'est pas sûr. Non, mais à force, on dirait juste que quelqu'un essaie de démarrer sa mobilette. Oh, encore un petit bac. Non, merde, je me suis trompée, je crois que c'est l'autre. Les célébrités noms de famille, j'en ai crevé. Mais je sais pas. Ah, du coup, vite fait. Ah, mais les monuments, c'est vraiment ma hantise dans ce genre de trucs. Ah, attends, ça marche. Hop, bim. Ouais, si, il y a des trucs. Oh, j'avais rien. Pardon ? Ok. Ah, j'ai. Moi ? Oh, c'était si simple. Quoi ? Ah oui. Mais je suis venue à ça, moi. Ah oui. C'était. Ah oui. C'est fulgurant. Je suis pas sûr. Ah, c'est bon, j'ai. Ah non, bah non, c'est bon. Ok. Là. Oh bah, on va dire que c'est un de ceux-là, quoi. Ah merde, la pub. Ah, oh, c'est la pub. Allez, c'est ciao la pub, c'est ciao la musique.
Ah non, quoique. C'est peut-être un de ceux-là. Ah, j'ai trouvé. Moi, j'étais en mode flemme. Allez. J'ai la flemme. Ah J'ai. Oh, je savais, j'ai oublié. Je suis sûr que j'ai pas ça, mais au cas où, j'essaye. Tente. C'est KFC. Oh, attends. Alors, je sais de qui. Putain. Ouais, mais. Quoi que c'est ce tableau. Oh pas merde. Non plus. Quoi que c'est ça. Mais... Vas-y, on va mettre, ça, mais c'est pas ça, mais nique. Hein. Sur un malentendu, ça va passer. Voilà. Ah. Oh. Alors, attends. Ah, mais oui, c'est ok. Je me disais bien que c'était inversé. C'était bizarre. Bah, c'est ça. Bon, moi, je conduis les yeux fermés, alors je sais plus. Mais... Ouais, bah pareil. Moi, je conduis pas. Non, j'ai pas l'image. Ah, oh, fichtre. Ah, j'allais dire, j'ai pas l'image, mais si, j'ai l'image. Ah, ouais, mais en fait, le truc, c'est que je crois que celui-là, je le connais trop par cœur. Ouais, c'est cela. Je les connais trop par cœur, en fait. Non, c'est ça, je crois. Là, j'ai faux. Je le connais mal par cœur. Non, mais c'est normal. Ah. Oh, son père. Mais j'ai jamais le temps. Putain, j'ai les prénoms à chaque fois. Un monument en R. Y a R. Y A R. Putain ta gueule. Voilà. C'est pas un sport, ça. On va mettre ça parce que j'ai pas d'autre. J'ai toujours pas le monument. Oh. Oh. Ah oui, oui, oui. Ok, oui, ah, d'accord. Oui, d'accord, j'ai. Oui. Ok, j'ai. Oh, j'ai, c'est j'ai. Horrible cette image. J'ai trouvé. Enlever cette bestiole. Ne regardez pas. Je suis vraiment pas sûr hein, pour celui-là. Oh, waouh. Oui. Putain. Je suis nul en animal, en fait. Alors moi c'est vrai qu'un monument en M au pire ça passe. Attends, je sais pas comment ça s'écrit. Oh, j'ai la haine. Comment ça s'écrit? J'ai la haine, la dyslexie, je sais pas comment ça s'écrit. Oh merde. Putain, je suis nulle. Un sport en M. Un objet, je peux en trouver un. Non, c'est trop tard. Okay. Ah putain, alors ça. C'est pas ça. Attends. Peut-être que je. Putain, mais laisse-moi écrire. Je sais pas ce que c'est. En vrai, moi, je confonds. Pas. Je confonds les logos. Je sais pas ce que c'est. Je vais me faire défoncer, mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais j'allais mettre une personne, mais c'est tellement pas cette personne. Je sais pas qui c'est. Vas-y, je vais mettre. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas cette personne. Ah non. Si, j'ai. À chaque fois, vous connaissez, moi j'ai pas les trucs de course automobile. Bah là, c'est. Je pense que c'est le premier et le dernier que j'aurai. Mais attends, ça s'écrit comme ça, son de famille? Je sais plus. Pas grave. Oh, genre, on l'a déjà eu, mais je me souviens plus, purée. Je sais plus si c'est lui. Oh putain, ça me perd. Ah, c'est Age of Empires. Putain, moi j'ai pensé à vous. Ça va, putain, on est dans les termites, ça y est. Incroyable. Je sens que je vais me faire avoir, mais bon. Ouais, pareil. Ah, oh. Je vais peut-être confondre les.
Je confonds les hommes. C'est Uniqlo. C'était que l'autre. Tant pis si c'est pas lui. C'est quoi? Tant pis. Oh, j'ai envie de canner. Alors, moi, les maps. Attends. Easy. Ah, c'est bon. Easy, j'ai trouvé. Facile. Ça va, ouais. Ça est bon. Je crois. Mais j'en sais rien. Je suis pas sûr de mon information, mais on va dire que c'est ça. J'en sais rien. Attends, pardon. Bah... Déjà, si. Ça, t'es sûr? J'entends bien. Ouais. Pifomètre, c'est parti. Vas-y, je vais tout de suite. Cette phrase, elle est pleine de soi. Ah, c'est... Ouh. Merde. C'est merde. Je sais pas... Je vais vraiment au pif, hein. Faut pas chercher. C'est une ça, moto. Je vais dire la même chose. C'est quelqu'un qui ronfle, ça. Mais c'est vraiment une moto, ouais. Non, ça par contre, c'est un train, ça. Je sais pas si c'est ça, j'en ai aucune idée. J'ai jamais entendu cet animal ronfler. Ah, oui. Ça? Non, ta mère. C'est celui qui a en été plus, brûlé c'est durant... Comme le... ça a été... C'est écrit dessus comme le porc salut, hein. C'est ça. Ouais. Merci. Ah, c'est marrant, la un question c'était écrit quel est ce. Quel est ce c'est quel est ce. Oh, bon, bah, malheureusement, je vais mettre cette personne, mais j'ai vraiment pas envie de mettre cette personne. J'ai un truc en tête, c'est pas un métier. C'est vraiment pas un métier. Ah, si, ça, c'est un métier par contre. Alors, avant, si c'est considéré comme un fruit ou un légume. Je sais pas. Je suis pas dedans, là. Le prochain tour, ça ira mieux. Sport. Alors, je sais pas si ça compte, à voir. Alors. Allez. Bon, il manque un S, hein. Oui, c'est bon, c'est vrai. Oui, c'est pas grave. Ah, en plus, c'est une question à deux points. Arrache. Bon, parfaitement bien écrit. Ah bah voilà, les deux. Voilà, c'est bon. Hein, ouais. <Les deux. rire> Bah, voilà. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui. On compte le DS score. Hein. Oui. Ah oui, mais c'était une lyre. J'ai bien fait de la changer à la dernière minute. Oui. C'était bon, une lyre, oui. Let's c'est go. Une lyre, c'est une lyre. C'est pas une harpe, on est deux, t'inquiète. Non. C'est du coréen, parce qu'il y a le rond, en fait, dans l'écriture coréenne. Je suis trop fort, bordel. Mais même, elle est très carrée, hein. En fait, genre, dès qu'il y a du rond, dès qu'il y a un rond... Qui est, c'est Bill Gates. Eh oui, c'était Bill Gates, c'est Joe Biden. En fait, je vois pas à quoi il ressemble, en fait. Maintenant, à moitié. Il a des grosses lunettes, voilà. Oui. Je sais. Je sais pas, donc. Big Ed Joe Biden. Ah, c'était Resolve. Putain, j'ai tellement bien écrit. Putain, mais. Résoudre, non. Ré. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le noter, j'allais marquer Resolve. Ouais, j'ai. Ah, c'est pas de vrai. Non, mais ouais, mais là, j'ai pas. C'était. Ah oui, j'ai... Non, mais c'était... Oui, mais c'était famille. C'était famille, évidemment. Mais ouais, je comprenais pas famille pour le quatrième, en fait. Pareil, pour le quatrième, j'ai pas compris. Mais je crois que c'est une pochette d'album. Ouais, ça a l'air, mais possible, voilà, ouais. C'est quoi, c'est Family du coup, peut-être la pochette d'album. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. J'ai rien mis moi. Oui. Nazik. Ah oui. Alors ça existe. Hein. C'est pas un gros attends, mot. Hein. Est-ce que moi l'animal que j'ai mis existe? Noix. Bon, il y a la noix. Mais nous, c'est une sorte de thé, hein.
Ah bon? Qui est-ce? Il existe, en fait. C'est qui, Nour? Je pensais que j'étais con. Je sais plus qui c'est, mais je sais qu'elle existe. Regardons Nour sur. Ah oui, c'est une chanteuse française, ouais. Bon, bah écoute, okay. Ça compte. Hein. Ça compte. C'est valide. Liam Neeson, donc. Enfin, actuellement, c'est pas son nom de famille, c'est son prénom, je crois, mais bon. On s'en fout. Nour, ouais. Neeson. Liam Neeson. C'est marrant parce que t'as mis nageur en sport alors que t'aurais pu le mettre en métier. Ouais, Oui. Oui. Natation en sport. Qu'est-ce qu'on fait? On compte ou pas du coup? Non, si, on compte en vrai, c'est un sport. La un C'est un nageur olympique. Ah, il a le métier quoi, ouais. Non, mais j'aime bien parce que je dis ça, mais c'est... moi je l'ai mis donc. Oui. Narval. Et oui, le narval. Le narval. Le narval, le nageur. Nage. Natation. Bah oui. Ouais, bien. Je savais pas du tout. Capitale. C'est capitale. Je savais pas du tout, j'ai mis au pif. Enfin, c'est limite, j'allais mettre Feur à la place. Je pensais que c'était genre ville de côté ou je sais pas trop quoi. Ville sombre. Moi j'avais mis première ville. Je pensais que c'était genre une ville. Enfin, ville de côté, mais genre je savais pas comment expliquer, donc j'ai mis première ville. Ouais, j'avais le concept, mais c'est vrai, j'avais pas le. Ouais, c'est ville capitale. Ah oh, putain, c'était bien une cigale. J'ai vraiment cru que c'était un canard à premier degré. Moi, j'ai cru que ça allait être un grillon à un moment donné. Bah, moi, j'ai mis grillon du coup. Ouais, bah oui, je suppose. Bah, j'ai failli changer au grillon. Parce que, en fait, je pensais pas qu'ils étaient aussi graves, les cigales. C'est pas la même chose, cigale grillon, c'est pas la même chose. Non, c'est deux espèces d'une même famille, mais c'est pas la même chose. Ok. Il y en a un qui est plus aigu et l'autre qui est plus grave, et du coup, c'est peut-être le grillon qui est plus aigu. Qui est plus aigu. La baleine. Bah oui, Biden du coup. Ouais. Big Ben. Oh, bien joué, Big Ben. Les mêmes trucs que moi. La banane, le bouton, et un batelier. J'ai pas d'animaux. C'est quoi le batelier? En vrai, c'est dans métier, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans sport, en vrai. Ah c'est. Oui, c'est Bah. C'est les chauffeurs des bateaux à Venise. D'accord, ok. Ah oui, donc bon, c'est vraiment passeport. Non, c'est vraiment passeport, en fait, c'est dans le métier. Ah, donc je compte pas, là. Bah, comme tu veux, soit tu me loues, comme tu veux. Faut faire attention. Big Ben, banane, bouteille, badminton, voilà. Alors, Barack Obama, c'est le nom de famille qu'on demande, du coup, Barack, ça marche pas. Vu qu'on a compté Nour... Est-ce qu'on compte Barack Obama? Je sais pas. Non, Barack Obama, c'est le prénom. Oui, mais on a compté Nour avant. Bah, c'est le prénom. Nour, après, c'est son prénom et son pseudo en soi, donc bon. Ouais. Après, le pseudo, c'est bon. Enfin, pseudo, c'est bon. Moi, dans le même, j'avais Madonna, je l'ai pas mis parce que je me suis dit, bah, c'est un peu son prénom, quoi. Mais après, il faut qu'on se le dise. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça. Ouais. Est-ce qu'on le fait? Les pseudos, pour moi, oui, mais les personnes où on connaît leur nom et nom de famille. Une bourse en objet, j'avoue que c'est assez peu commun de dire ça. Oui, mais c'est un objet. Du coup, on compte pas pour Barack. Quoi? Non, on compte pas pour Barack. Bah, c'est nom de famille. C'est nom de famille, c'est Obama. C'est Obama, son nom de famille. Je suis désolé. De toute façon, je suis pas plus clair, j'étais en train de manger. Biden Joe. Ah bah Biden moi je suis sûr de pas me tromper là hein. Oui. Chez banane, ouais, banane. Touch. C'est quand même ça dit que je me compte moi-même les points en vrai hein. Ouais, c'est comme ça, c'est le comme bang. Ça. Un le banc. Le banc. Un banc de poissons, un banc dans le banc. Parc, un banc de sable. Le banc. Voilà. Bah, c'est magnifique. Ah, putain, c'était un Henri du coup. À la... Alors, ça a pifomètre et ça a loupé, ça a pifomètre et ça a loupé, ça a pifomètre et ça a loupé. Bah, lui, ça a pas loupé. Je sais pas si t'as pifomètre ou pas, mais bien joué. Non, c'est bon. Ah bah super. Converse, oui, ok, Converse. Bah bien. Eh oui. Bah, je me suis foiré, voilà. Autoportrait. Ah bah oui, c'est vrai, oui, bah oui, du coup. Ah forcément. Bah c'est ce que j'ai marqué. Du coup, je compte ou pas? Bon, t'es pas obligé, hein. Et ouais, parce que c'est un des artistes que je connais le mieux. Ah bah du coup, voilà, ça compte. Moi-même, je compte. Ah bah. Bah non du coup. Très ironique. Bah non. Bah non du coup. Ah bah non. Ah bah là oui parce par que contre, c'est elle a bien répondu à la question. Mais oui. Ouais, parce... Là, parce que c'est elle a bien le... c'est... À quel est ce tableau? Mais quel c'est parce ce que tableau pardon. Il étudie en cours aussi. Ah. Ouais, en fait, c'est pour ça il s'appelle autoportrait quoi. Béria. Béria. Oh bro. Mais ça c'est bâtard. Alors en vrai si. Bah c'est vrai qu'elle compte. Oui. Bah non.
En vrai, c'est... En vrai, c'est ah oui, si. Non. Ouais. Dire B et rien alors que tu dis bah c'est soit le A soit le B. Non, c'est bah du coup, Lucie a eu bon. Bah oui, du coup. Mais c'est... Attends, mais B, mais sur laquelle Mais je passe mon code aussi, c'est normal. J'avais pas vu qu'il y avait un deuxième, une deuxième pièce. Bruit. Ça, dommage. C'est le piège. Ça, c'est le piège. Ouais. 3-6. 3-6. 6-3. Représente 6-3. Oh, on voit Renard. Bon, ça, il ouais. a enchaîné. Oui, bah oui. Radi et roux. Voilà. Je crois qu'on a tous mis la même chose dans un truc. Ah, bah ouais. Honnard, Ribéry, ah, si, peut-être, moi. Routier, Rutabaga. Je l'ai mis de tête, je sais même pas ce que c'est en vrai. C'est bien un légume, et... putain, je suis trop oui, fort. Oui, c'est un légume. C'est bien oui. un légume. Roux, et c'est le rallye, du coup. Je oui. du navet, non, je sais plus. Trois. Un rat et un routier. Ah oui. Un rantalover, un routier, un radis, un râteau et un rameur. Beaucoup de rats, hein. Rameur, j'étais pas sûr si c'était un truc ou pas. Si, c'est un sport olympique. Rameur fitness. Ouais, non, en fait, il parle de l'objet, attends. Aussi. Ouais, en fait, le rameur, c'est l'objet, j'ai l'impression. Ouais, bah ça compte, du coup, c'est de la muscu, en fait. En fait, rameur, c'était pas ça, ce que j'avais comme concept dans ma tête. Mais d'accord. C'est un truc pour ramer, c'est ça, j'imagine. Oui. Bah du coup ça compte quand même puisque bon le rameur ouais c'est le truc qui permet en gros de s'étirer de repousser les c'est faire du rameur c'est de la muscu, quoi. Ouais voilà c'est de la muscu ouais bah donc ça compte hein allez soi. Ah critique c'était... bah oui c'était pas un pou cripou c'est ce que je faisais vraiment j'avais pas du tout pensé au motique hein, vraiment tu es trop cripou dis donc je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Pour demain, vous devez me faire une cripou de Van Gogh. Ouais, j'ai pas mis l'animal. Bruit, ambassade. Oh, manutentionnaire, oui. Mandarine, marteau, motocross, voilà. Oui. Oui. Ah oui, je savais plus qu'on écrivait maraîcher. Ouais. C'est sexy. C'est que je sais plus comment. Maraîchère. Maraîchère. Tu veux dire quoi exactement, maraîcher? Maraîcher. Un maraîcher. Un maraîcher. Oui, pas maréchal, hein, sinon. Non, un maraîcher. Ah oui, bon, c'est Araï, bon, c'est pas grave, on compte. Le concept est là, quoi. Voilà, maraîcher, le concept est là, c'est Araï. Ouais. Ouais. Une mangouste, Monet, ouais. Mont-Saint-Michel. Ah, mais oui. En soi, oui. Bah oui. Un marron et une malle, ouais. Une mouette, un maçon et une mandarine. On dirait le titre d'un épisode de What the Cut. Oh ouais. Putain, c'était Reebok. Pas du tout, donc. Ah, je savais plus. Hein. Je savais plus. Ouais, pas moi. Oh, j'ai Carly. Voilà. Skynet. Et rien du tout. Putain. Oui, j'ai fait ça. J'avoue. Je sais que c'est la nuit, mais j'étais en mode, c'est ton jamais. J'avoue. Bah en vrai, c'est peut-être pas un footballeur en fait. Ouais, mais c'est ça le pire. Parce que je me demande si c'est pas le truc de Roland Garros derrière. Exactement. Il suffisait d'en parler. Exactement. Putain, j'adore. Je sais pas. Au moins, c'était cerveau. Honnête. Et oui. Et il dit, et oui, mais est-ce que tu l'as eu Verstappen. Je l'ai eu. Ah oui, tu l'as eu. Bien. C'est un aigle. Alors en vrai c'est pas un aigle, c'est un pigargue. Oui bah le site il a dit que c'était un aigle donc c'est un aigle. C'est pas parce que tu l'as écrit en anglais que... Non, en vrai vas-y. Vas-y. C'est la même chose, allez je veux que tous les fans de JDG viennent me sauter dessus. Let's go. mais pas du tout. Et bah non. Oui bah sorry not sorry hein. Ah là là. Bah voilà ouais. Limite en direct en gueule le site. Je sais pas bordel. Ah c'était 98 bon. Raté. Lego j'ai calculé à l'arrache hein, alors. On a une naissance les gars. Ah j'ai bon. Ah j'ai bon parce que je passe mon temps. Et moi j'ai choisi au hasard et j'ai loupé, sad. Ah, oui, non, ah c'est le loupé. Times. Non, parce que Dieu est mon droit.
Parce que Dieu est mon droit, ah. c'est Oxford aussi. Et bah dommage. Putain, le Times, ouais, Dieu est mon droit, quoi. Let's go. Mais j'ai dit crocodile. Crocodile. Ben j'ai dit hippopotame aussi, hein. Rhinocéros, hippoglouton. Rien du tout. Eh oui. Ouais, je savais pas, donc j'ai éternué, donc je me suis dit vas-y, je vais mettre un tchoum pour le troll. Voilà. Je suis très inspiré. Kietz. Là j'ai dû louper, j'ai dû louper. Ouais. Dernière question, dromadaire, Didier Deschamps, dentiste, date des. La danse c'est bien un sport? Oui. Oui. Ok, c'est juste pour être sûr. Oui, oui, oui. Dauphin, oui. Je... bah Depp, ouais. Ah oui, du docteur, coup. Oui. Et une date. Ouais, là. C'est le seul qui est venu dans ma tête, mais j'étais en mode vas-y, nique. Hein. The D. The D. Do you like the D? C'est ce qu'on appelle une panne d'inspiration. Oui, là. Ça arrive. Le dindon, ah, Dickens, je sais même plus c'est qui, mais ça me dit un truc. Charles, c'est un écrivain. Dickens. D'accord. C'est juste que ça s'écrit avec un C, mais ok. Enfin, c'est CK. CK. C'est trop insultant ouais. Que ce soit CK, donc voilà, c'est pas grave. C'est censuré. Non, je pense que c'est bon. Y a bonus, pas... malus, ouais, y a pas besoin de bonus. Je crois ou de pas. Malus. Pas je crois pas. Non. Close enough. Ouais. On a pas eu de footballeur chiant. Ça va. Non, hein. Bah, on a pas eu de footballeur. De toute façon, je t'avoue que j'allais perdre. Je peux pas manger et être concentré et répondre à la question. Non. Tu fais comment? Let's go. Bonne question. Non, t'as un bouton super. Next, non? J'ai pas de bouton next. Ok. Oui, DSK, ça, c'est parti. Non. Oh, three, non, le retour. Two, j'appellerais ça un jumpscare. One. Bonsoir. Let's go. Ah, le jumpscare. Ah non, c'est bon. Bien, la lettre H a-t-elle d'axe de symétrie? Bah. Je sais même plus ce que c'est qu'un axe de symétrie. C'est, là qu'on c'est comme ça que je me rends compte que ça fait trop longtemps que j'ai quitté l'école. Quitter l'école. Je sais pas. Péter les plombs. Oui, c'était sur le mémoire. Oh, son père. Quoi? Hein? Hop, j'ai. J'ai. Je sais pas, j'en sais rien. j'ai trouvé. Moi, je sais pas s'ils veulent qu'on les cule comme ça, mais ok. Je suis pas sûr de ce que j'ai mis, mais ok. Moi, j'ai mis un truc, j'en sais rien. Oh, dear! Samir! Parade de sortie des anciens plus récents. Ok, mais par contre, en fait, c'est tellement zoomé que je comprends pas le 4, c'est censé être le plus loin. C'est le 4, c'est celui en bas. Ouais, c'est le plus loin. Oui, non, mais c'est le plus récent. Oui, c'est ça. Je sais pas. Du plus ancien au plus récent. Le plus ancien, c'est le 1 et le plus récent, c'est le 4. Je vais avoir le seum si j'ai faux. Mais alors là. Mais en fait, je dis c'est dans cette. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Je dirais ça. Le seul dont je suis sûr, c'est le premier. Je pense qu'on est tous sûrs là-dessus. Mais le reste. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Je crois que c'est. Non, je me suis trompé. Oh putain. Ces jeux par date de sortie plus ancien, plus récent. Mais vous me cassez les pieds. Bah, y en a un, c'est un peu évident. Ouais. Bon, on va faire ça. Je pense que je suis. En vrai, j'ai envie de dire ça. Mais. Je pense que je vais me faire niquer par lui. En vrai. Et nique. On va rester comme ça. C'est ça. C'est mon dernier mot JP. Mais j'hésite entre le 1 et le 2. Ah, je suis un peu dans la même vibe, mais on a peut-être pas le même 1 et le 2. Moi, je pense que je suis bon. Oh, c'était qui déjà? C'est l'autre. Comment il s'appelle? C'est Zinedine Zidane. C'est lui, c'est de son prénom. Voilà. Si j'ai fait une faute, si c'est l'autre, bon, je m'en fous, je compte. Ah, mais l'autre, c'est moi qui compte. Je sais pas, c'est qui l'autre? Ta mère. Bah. C'est un lead des Sims, c'est ça? Pardon. Oui, c'est un lead. Ah, j'ai trouvé. Ah, putain, trop marrant! Oui. Oui, oui. Oh, trop marrant. Bah du coup, très drôle. Oh, c'est et oui, c'est un lit des Sims 1 d'ailleurs, oui. Oui.
Alors franchement, oh. Je vais me faire détruire par la dernière syllabe, je sens. C'est pas ça. Je connais pas. Je connais si, pas. Je sais pas si c'est ça. Pifo maître, ça fait penser à ça, mais je sais pas du tout ce que c'est. Les Yugo. Il est Yugo. Il est Yugo. Non, je sais que c'est pas ça, mais je bon, écoute, les ça me faisait penser à ça. Je suis un gros nerd. Bah c'est d'actualité, j'ai envie de dire. Je vais sûrement. Je crois. Je sais pas. J'ai mis vraiment une année au pif, mais je sais que c'est pas celle-là, quoi. Mais j'avais vraiment aucune idée. Ah non, j'ai pas eu le temps d'écrire. Pardon. Mais il demandait juste l'année. Mais j'ai pas eu le temps. Pardon, parce j'ai pas cité. Parce qu'elle a marqué en l'an de grâce déjà avant, donc ça prend de. Ça prend de non, mais c'est 1900, mais en lettres. Ah oui, c'est ça. C'est fini. Bon, si je vois le bon siècle, c'est déjà ça. En plus, on l'avait déjà fait ces questions. Franchement, hein, je me suis. Oui, bah oui, 3, oui. Nick, son père, et. Non, c'est pas lui. Je sais plus, moi. J'ai plus les derniers chiffres, moi. J'ai plus les derniers chiffres. Pifomètre, c'est parti. Non, c'est pas ça. YOLO. Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas mis les chiffres entiers. Je sais pas ce que c'est. On l'avait déjà eu la dernière fois. Mmh. Non, c'est censé être français. Vas-y, on va dire. Non, c'est pas ça. Je mets un truc au pif. Hein. Ça. Je suis sûr qu'en plus c'est même pas le titre de la chanson et de l'artiste que j'ai mis, je suis sûr qu'ils m'ont même pas ensemble. C'est... What? Ah, comment ça s'écrit? Ah, comme ça. Je dirais que c'est ça. Je sais rien. Quel est ce Pokémon? Mais niquez vos mères! La puissance économique. Non, en plus, c'est même pas vrai. Économique. Comment on fait, ça marche pas. Moi, j'ai envie de mettre là, mais je suis sûr que je me fais niquer un peu. J'arrive pas à bouger. Normalement, ouais. Non, si. Ça peut être ça, mais c'est l'improvisation. Clique et dépose les trucs, les drapeaux. Là. Ouais, j'hésite. Bon, bah voilà. Écoute, hein, mais après, je suis pas sûr. Hein. Vas-y, parce qu'à la dernière seconde, qu'est-ce qu'il va me choisir? Je ne sais pas. Oh purée. Mon père. Ah, mais c'est quoi ces trucs de classer les trucs? Vous me cassez les couilles. Les trucs de classement, c'est les pires, putain. On l'avait déjà fait. Attends, c'est du plus vendu au plus vendu. En vrai, j'allais dire que le plus vendu, c'est. En vrai, c'est quoi? J'ai fait un mouvement et j'ai la flemme de faire le reste. Voilà. Oh merde, c'est l'inverse, du moins vendu au plus vendu. Oh, il fait chier. Le moins vendu et le plus vendu. Ensemble des tomes, on va mettre ça, hein. On a peut-être aucune idée. En vrai, c'est peut-être lui qui est là et je suis juste con. Mais c'est possible. Non, j'ai pas eu le temps. Cette fois-ci, c'est le moment où on sait pas c'est qui. J'adore mes réponses troll. Vas-y, oh, j'avais le temps d'écrire un peu, mais j'ai la pas, je marque un peu trop. Oh, ah bah. Quel mignon. Bon bah ici. C'est super, c'est bien, c'est. Quoi ça? C'est bien. T'as un chat. Trop mignon. Il est trop mignon. Bon. 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 Ça y est, c'est la miniature. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas trouvé. Un chat. Miaou. J'ai pas le temps de marquer. Ah, sucer ma sucette, putain, c'est du Shakespeare ça. Mon dieu, c'est quoi cette. Je suppose que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. Vu la première phrase, je me dis improvisation totale. Je sais pas. Mais c'est quoi cette musique, putain, je te laisserai sucer ma sucette, vas-y meuf, ne t'arrête pas. Je crois que c'est ça. Ah bah si tu savais les. Ah mais attends, je sais ce que c'est. Je sais pas le temps d'écrire, bon bah tant pis. Bon bah arrête ma réponse troll. Oui c'est ça. You're in my candy shop. Put, put, put. Oui c'est ça. Ouais je crois hein. Ah oui ouais. Je pense que c'est candy shop ouais.
Je pensais que c'était encore un rébus. C'est pas. J'étais de la gueule du rébus, quoi. Oh oui! Oh non, censurez cette image! C'est un autre dé qu'on avait pas envie de ça. Comment il s'appelle? Et puis les deux, hein, les deux sont Gucci. Ah oui, les deux. En faut mettre les prénoms. Si j'ai le temps. Mon père, j'ai le temps. Ah, j'ai pas le temps de mettre le deuxième. J'ai un coup de mémoire, c'est horrible. Je sais plus. Je sais qui c'est, mais je sais plus. Bah, de beaucoup de choses. Voilà. Bah, moi, j'ai envie de dire ça. Ah, musique de FTL. Oh putain, il y a un Picard et un Aldi. Quelle vie! Réponse D, ça dépend de la taille de la voiture. Putain, merde, je le savais, mais je sais plus c'est qui. Bonsoir, ma bonne dame. Thank you to the candy shop. Alors, je vais dire un truc, m'insultez pas si je me trompe, hein. Si. Je regrette déjà. Ça dépend vraiment ce que t'as mis. Alors franchement, je trouve que la deuxième, elle est tricky, hein. Tu vois pas grand chose de la deuxième personne, hein. Mais si c'est cette personne-là, franchement, je m'applaudis avec les pieds. Si c'est les deux personnes-là, je m'applaudis avec les pieds. Un anglais. Easy. Putain, enfin, c'est sûr que je connais la réponse. C'est ça. Ouais, après angle droit, angle plat. Incroyable. Il y a silence d'un coup. Incroyable. Moi j'ai rigolé. Moi je ris. Oh. Ah bah. Ah, faut que j'en mette que 5, mince, j'ai envie de tous les mettre. Je suis pas sûr pour le dernier. Voilà, ce sera ça. Je sais pas. Ah, j'avais envie de tous les mettre. Mince. Mais en vrai, je sais même pas si ce que j'ai mis c'est bon. J'aurais pu mettre un pays beaucoup plus près, c'est vrai. Je sais pas. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de savoir qui est cette personne et de ne pas savoir qui est cette personne. En fait, j'ai l'impression de connaître cette personne, mais plus récemment. Faut que je me concentre, je fais n'importe quoi. Putain. Ah bah, rebonjour. Ta mère. Le petit... Le petit merde, hein. Le petit merde, oui, en vrai, oui. Le petit screamer. Le screamer. Ah. Tintin. Oh, j'aime les cacahuètes, moi aussi. Oui. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai pas sorti de calculatrice, promis juré. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je sais pas. Si j'ai tort, bordel. Ça s'appellerait le gros karma. Je sais. C'est... Bah merde, cette merde. Oh non, attends. Mais en plus, moi, je sais jamais. C'est ça. Je sais jamais. Ah si, c'est ça. Je sais pas. Ah non. Non. C'est ça. Putain, je suis con. Ah. Ah oui, non, mais non, je suis con. Pardon, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Fatiguée. Ah bah on va reprendre. Je sais pas, putain. Putain, je suis trop nul à ça. Je sais pas, j'ai rien de... Non, j'ai pas le temps d'écrire.
Alors oui. Bon, je vais mettre ça dans le coin ça, mais... je... Je fais ça, mais c'est pas ça. On a tous mis la même chose sans que ce soit ça, je suis sûr. Deux. Ah, c'est pas moi de faire le... C'est le faire le... Mais c'est moi. Deux Vas-y. Axes de symétrie, donc... Donc j'ai pas bon. Ok. Ah c'est mince, oui. Putain, mais Derek, ça marche aussi, bah, j'ai oui, désolé, j'ai... Hein. J'ai mis ouais, Derek bah... aussi. J'ai mis ouais, Derek aussi. Derek, je crois. Mais Derek, ça marche. Bah oui. Derek, Derek. Et je vois pas Drake, en fait. Putain. Mais what? Parce qu'on l'appelle le Derek. Putain, vas-y. Non, mais il était bien, lui, hein. Ah. Ouais, oui. Ça a bugué. Mais ouais, Drake, je vois pas le truc. Alors c'était Black c'est Flag, Unity, Odin, Odyssey. Ah ouais, j'ai hésité non, entre les j'ai deux. J'ai inversé Unity et Black Flag. Je voulais les changer à la fin et j'ai pas eu le temps. Non, ouais. J'ai un doute. Ah, Lucie a bon. Le bien joué. Ah, ouf. Et ouais, en fait, moi j'ai inversé Origin et Odyssey, quoi. Eh non, Origin c'est en premier. Mais oui, moi c'est Unity et Black Flag. Alors putain, je sais que Unity c'est après. Ah oh, oui, bon, j'ai perdu aussi là-dessus. Putain, LOL. Ah, c'était LOL en premier. Ah, moi, ah oui, parce que c'est pas le... Ok, et non. Du coup, j'ai inversé les deux. D'accord. Ouais. Mais bah oui. Lionel, le Messi. Ah bah, je vais me faire insulter, c'est parti. Ah non. Oui, bien sûr. Et il est décédé depuis longtemps. C'est plus moi, j'en sais rien, je m'en fous du foot. Ah bah du coup, alors, justement, non. Lionel, le Messi... Mais putain. J'ai juré, il me casse les pieds, c'est trop que je me prends, là. C'était Yamaha, hein. Je connais pas. Tu sais que c'est à cause de Yamaha que j'ai dit Yogo. Ah, ok. Ah mais non, du coup. Killzone, oui, pourquoi pas, en vrai... Yamaha, oh, donc, les motos. Oui, bah oui, j'ai pas eu le temps de décrire. En l'an 19. En l'an 19. Et moi, c'est le traité de Lisbonne, je me suis trompé de ville, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de décrire. One Nove. J'ai bugué, les gars. Et moi, là, c'était le traité de Lisbonne, et pas le traité de Maastricht. J'ai confondu les deux villes. Et oui, c'était enfin, rouge. Je croyais que j'avais eu faux sur celle-là. Oh, t'as le code. Le code. Le code. Ah, c'est 35. Ah. Mais ouais, Richelieu, donc. J'ai 1635. J'ai pas... Voilà. Ah oui, non. Non, oui. Non, Ferry, c'est l'école. Ouais. Non, oui, c'est ça. Je sais plus. Oh, j'en sais rien. Pour moi, c'est pareil. Alors, le truc, c'est qu'on demandait quelle année et par qui. Bah, du coup, c'est pas bon, vu qu'il va appeler par qui. Ouais. Oui. Je suis désolé, j'avais pas. Hein. Est-ce que j'accepte ou pas? S'il te plaît, j'ai clutch. Bianco, ouais, je sais pas si c'est pareil. Après, la BMO. Est-ce que je prévois de mettre un point? Oh, pour le clutch, là. Pour l'artiste. Oh, ouais. Non, mais juste parce que j'ai mis un... Ah, non, attendez. Oui, mais non. En fait, je peux pas. Non, quel est le nom de... Le... À la plastique. Et quel est le nom de cette musique? Donc en fait, l'artiste, je peux même pas te... En fait, en théorie, j'ai pas à te le compter, c'est le nom de la musique. Juste parce théoriquement, que la question. Bah en fait, oui, c'est 3 points en plus. Je peux pas le... Pour la prochaine fois, que c'est Blanca et pas Bianca. Après, je dis pas ça parce que moi, j'ai mis Blanca, mais oh, sinon... mais sinon... Ah là... Mais l'artiste est tout. Bah, c'est pour ça en fait le truc. Ah, mais vas-y, compte-toi, hein, c'est le nom. Non, mais oui, mais c'est pour ça en fait. En fait, ça aurait été quel est le nom et l'artiste.
Au pire, j'aurais dit on met un point pour l'artiste et un point et demi pour la musique. Enfin, et deux points pour la musique. Mais là, ou l'inverse. Mais là, du coup, un point et demi, un point et demi. Mais là, vu que c'est le nom de la musique, je ne peux pas accéder que ça. C'est un renard. Allez. Ah, mais en fait, ah, putain, je m'en doutais au bruit de faim que c'était un renard. C'est une hyène. En effet. Bah en fait, moi, je sais pas. Le début ça paraissait, mais en fait la fin de l'audio, en fait j'ai reconnu le renard, mais j'ai pas le temps de changer. Le crapaud. Crapaud. Oui. En effet. C'est vrai qu'il s'est trop. Alors là, aucune idée. Ah. Bah j'ai pas eu bon, donc j'ai un peu piffé. J'ai pas eu le plus petit. Je savais que la France, elle était derrière, mais je savais plus. Je savais, mais j'ai pas eu le temps d'inverser les deux groupes, mais je savais que c'était ça. L'Allemagne et le. Ah oui. Oui. Bah, puis le Japon et la Chine aussi. Ouais. J'ai pas eu le t'inquiète, on a fait le même dos. Ouais. C'était de la merde, voilà. On a fait le même dos. J'ai pas eu le temps, les deux derniers. Ouf. Attends. De la Gonnebelu. Ok. Ah oh, putain, c'est attaque à. J'ai eu quel mot. J'ai eu bon pour Dragon Ball et One Piece, ça me suffit. Football man, le footballeur. En fait, il pleut. J'ai pas capté. Là, c'est un footballeur. Effectivement. Ah, mais moi, j'ai... KF. C'est le KFC. C'est une charade, bien évidemment. Charade. Bon, celle-là, elle était gratuite. Charade. Complétez cette charade. So. Cette charade. So, let's go. So. Let's go. So, let's go. Putain, c'est 50 Cent. Ah, oui, c'est bon, allez. C'est 50 Cent. Oui, c'est 50 Cent. Putain, pourquoi j'ai confondu avec Snoop Dogg? Je sais pas du tout pourquoi. Ah, moi, j'ai pensé à California Girls, je sais pas pourquoi. Snoop Dogg, bah, c'est parce que c'est en feat avec lui, non? Oui, voilà, ah, c'est peut-être ça. Ok. J'ai pensé à California Girls et du coup, voilà, quoi, mais bon. Attends. Je me le compte ou pas? C'est encore une fois, c'est le nom de la chanson. Hein. Ah non, c'est même pas en fait. Non, même pas. Non, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une autre musique de Snoop Dogg. Qui s'appelle Candy Shop. Non. Non. C'est que. On va dire à la même période que Candy Shop, il y avait une autre musique qui était de Snoop Dogg. Je pense que c'est ça ce que tu penses. Snoop Dogg, ça se limite à Smoke Weed Every Day. Donc bon, je vais pas aller loin. Booba! Musique étrangère, ça aurait été tout sauf Booba. Ah. Bah oui! Oui, oui, là, il y avait un lien. Bon, là, ça va, c'était facile. Hein. C'était le sens, oui. Oh. Ouais. Le putain, oui. Il est où? Il est là. J'adore le Gérard Depardieu X-Pierre Ménès, on dirait un putain de chip! C'est ça. Gérard Depardieu cross PMNS. Oh, bah écoute, qui se ressemble, ça semble, j'ai envie de te dire. Là, ils sont bien, hein. Là, c'est pas mal. Oh, le chip maudit. Ah, faut Wattpad. Oh, le chip maudit. J'ai pas besoin de les insulter, le site l'a fait pour moi. Le D revient. Alors, en vrai, ABC, ça marche, hein. Ouais, bah le temps de réaction, ça a de l'importance, normalement. Comment mais bon, ça le site... Bah moi aussi, j'ai mis la même chose. Moi, je vais signaler la question. Hein. Parce que forcément, ouais. Si t'as un temps de réaction plus élevé, la distance de freinage est plus grande. Mais ça va, j'ai pas grande. Du temps de réaction. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est même ce qu'on nous apprend littéralement au code et au permis. Bah oui. Donc même si t'es dans ta bulle, que t'es complètement bourré, bah écoute, tu freineras toujours à la même distance, bah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, Tu mettras pas 10 ans, 10 mètres en plus à freiner parce que tu t'es le temps que tu réfléchisses. En vrai, je pense que je comprends la question. En fait, je pense comprendre la question aussi. C'est que, en fait, je crois qu'il y a une différence entre distance de freinage. En fait, distance de freinage ne tient pas normalement en compte... Voilà. C'est ça. Et en fait, je pense que la distance de freinage, c'est à partir du moment où tu freines. Et le temps de réaction, c'est avant, en fait. Ouais, mais c'est fouillé. Ouais, ça rentre en compte, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, la question, elle est tricky. Oui. Et il y a plein de questions qui sont tricky. C'est méchant, ils nous ont piégés.
Ah, parce que moi aussi, hein, j'ai mis la même. Hein. DBC. Il y avait pas de D. Ah, du coup, elle a bon techniquement vu qu'elle a pas mis le A. En vrai sens, oui, il y a pas de D qui existe, donc. C'était Marie Curie, bien évidemment. Je vais me faire tuer. Non, en vrai, ça va. Ok, merci. En vrai, oui, c'est une autre femme. C'est deux grandes figures, donc après, voilà. c'est pas au même moment. Mais c'est pas la même vibe. J'ai échappé à la mort. T'aurais dit, je sais pas, Lady Gaga, oui, t'aurais pas cru, tu vois. T'aurais dit Billie Eilish, bon. Nicki Minaj, bon, je pense que j'aurais pris cher. J'aurais pas cru, mais bon. C'était Megan Fox, ah, mais oui. Ah, là, pour le coup, bim, bim. Ah, j'ai dû faire pousser avec les pieds. En plus, je savais que c'était elle, mais j'ai trouvé plus comment ça s'écrivait. Mais je savais plus que c'était Megan Fox, en fait. Scarlett Johansson, vraiment, on voit vraiment très peu, mais on la reconnaît. Mais on voit vraiment plus, très peu de son visage, surtout qu'elle a la tête penchée. 180, oui. Sur autoroute. Non. Yeah. C'est non. Zéro. Ah. Raté. Bah non. C'est un angle nul, zéro. Zéro n'a C'est vrai que... Tout ce qui est zéro, oui. C'est nul. Voilà, faut juste se dire ça. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Non, zéro oui. Et 180, c'est pas pareil. Non. Parce que 360 et zéro, oui. Mais là, non. Nah, 180, non. Oui, bah vous pensez que je vais regarder le lien, moi. France, Allemagne, Suède, Belgique, Italie, c'est bon, de toute façon. France, Suède, Allemagne, Espagne, Danemark, c'est bon. France, Espagne, Italie, Allemagne, Pologne, c'est bon. France, Italie, il en manque. Pas eu le temps, j'imagine. Ouais. En fait, le piège aurait été de mettre la Suisse. Aurait été de je mettre mis à la base. Le Royaume-Uni surtout je pense. Maintenant de mettre le Royaume-Uni, de mettre la Norvège, ça aurait été un piège aussi parce que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Tous les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Ah, la Suisse, je l'avais mis à la base. De mettre la Russie par exemple, la Russie n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine par exemple n'est pas encore dans l'Union européenne. Donc tous ces pays-là du coup ne font pas partie, font partie de l'Europe continentale mais pas de l'Union européenne. Connais pas. Quelqu'un connaît? C'est pour un quiz. Non. Oui, alors j'ai essayé de. C'était pas sur vous. Bah oui, j'avais pas eu le temps de finir, donc du coup. Faire des pas de carbo, il faut. Des pas de carbo. Mais non, c'est pas. Faut marcher au coup que j'en sais rien, du coup. Je ne sais pas. Attends, je vais. Tiens. Enka, c'est un rappeur, voilà, donc c'est pas un footballeur. Oui, c'est un rappeur, oui. Le retour de DSK, ouais, c'est un mauvais tour. Va rejoindre Pierre Ménès et Depardieu, s'il te plaît. 99. Achim. 99 problem. Non, je sais pas continuer la suite de cette chanson. En fait, je... Oui, le non, mais sud-est. Je suis con. Non, mais je suis sud, con. Sud-est. Non, mais oui, c'est sud-est. Je sais que je suis con. Moi, j'ai mis ouest, alors. Vous savez, il aurait dû dire... Non, dans un sens, c'est pas faux, c'est le sud-est. Ouais, c'est pas, oui, mais non. Je peux pas vraiment l'accepter en fait. Je me fais bully. Non, c'était de l'autre côté. Ah. J'ai pas eu le temps. Effectivement, c'est le cas de le dire. Ah. C'est... Ah. Ouais. Une antilope. Ah. Oui. Bruxelles. Que je connais en vrai, pourtant je l'ai jamais visité. Mais j'aimerais bien le visiter. Moi j'ai visité, attendez. Nathel. L'athlétisme. Ah oui, l'athlétisme, j'ai pas eu le temps de l'écrire. Voilà. Eagle, agriculteur, abricot, ardoise. Anathée. L'athlétisme que je n'ai pas eu le temps d'écrire. AFH. Le sport de l'athéisme. AF. AF. Un anaconda, un accordéon et l'aviron, bien évidemment.
Alors oui, du coup. Ah mais oui, c'est vrai, c'est Leipzig. C'est ça. Piège. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en plus, je connais Leipzig, je me saoule. Bah, vu que c'est 3 points, ouais, non, je peux pas le... Ah oui, non, c'est... Accepter. En fait, c'est pas Red Bull le plus important, c'est Leipzig. Alors, Red Bull ouais. N'a pas donné d'aile, pour le coup. Pas de bonus ni malus? Non. Non, flemme. Poum poum. Ta. Poum poum. Ah non, je suis... Il était Waouh. Un point d'écart. Bah en vrai il était dur parce que regarde, de Lucie 10 points... Après ça, j'ai fait de la merde. Donc on s'est retapé. Oui non mais là vraiment on était... La fois d'avant on était au-dessus de 32 et ouais, des... T'es pas à 40 toi? Je sais plus, j'ai déjà plus. Alors que le jeu nous a fait remater le faciès de DSK purée. Est-ce que du coup tu peux faire next toi là ou je pas? Je peux pas faire next. Eh ben, c'est cool. J'ai pas de bouton next. Voilà, donc c'est pas moi qui est fou. Non, mais ouais. ouais, bah ouais. Attends, peut-être pas en fait. Let's go. Ah, non, pas du tout. Ah. Hop. C'est ça, vas-y. Hop, on va voir ce que ça donne. Let's go. Ah oui. Pas du tout flippant. Ah bah oui, oui. What? Alors du coup, il y a pas d'attente hein, si vous sélectionnez les trucs, et ce sera à la fin. Un cirque. Tu quoi, je vois ça. Ah, bébou. Ah oui. What? Ça. Mais vous connaissez en jeu vidéo, moi j'y connais que d'un. Ah, c'est ça. Ah bah là, oui, là, c'est... Oh bah. Alors, c'est marrant comme question, mais il y a vraiment un jeu qui fait pas partie du truc. Je vais mettre ça, mais je suis pas sûre. Ah, bah c'est quoi? Oh, bébou. Ah, ce jeu... Ça. C'est ça. Celui-là, il est petit. Ah, bah ça. Je suis con. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Je vais dire ça. C'est bon, quand vous avez fini, vous arrivez sur la page des résultats. Ça, ok. Oh, j'ai 7 bon. Sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Putain. Super. Vous avez eu faux où? Alors, du coup, la première question. Lucie, tu as fini? Je mets littéralement au pif. Mais... Ah oui, on voit ta progression, ouais. Mais il y a Mass Effect, quoi. Je mets vraiment au pire. J'ai vu passer, je me suis dit, il y en a une qui va réagir, et effectivement... Oui, il commençait pas, bonsoir. Du coup, au niveau des résultats... Oui, c'est quand même. Au niveau des résultats, donc en premier, c'était Deus Ex, bien évidemment, où on joue Adam Jensen. Moi, j'avais aussi bien, parler, que... c'est pas... Ouais, et qui est vachement bien. J'ai toujours pas fait le... Ça m'aide. Toujours pas fait. Donc, oui, du coup, tu fais par élimination. En deuxième, c'est là que moi j'ai eu faux. J'avais mis Cuphead, mais en fait, c'est Joe Danger. Je ne connais moi, pas. J'ai mis pareil. Je ne connais pas Joe Danger. J'ai eu bon. Et Hello Games. Ouais, mais je connaissais j'ai pas du aussi, tout. J'ai mis aussi, hein. Bah, le protagoniste de Cuphead s'appelle Cuphead. Oui, c'est vrai, du coup. Oui, certes. En troisième, du coup, bah, c'était Mass Effect, oui, où on incarne le commandant Shepard, dont ses boutiques sont les préférées de la citadelle. Donc, quatrième, c'était SimCity. FF7. Bah, c'était oui. Donc, du coup, SimCity, où on peut construire, du coup, et gérer sa ville. Dans quelle franchise, dans quel opus de Final Fantasy on incarne un groupe qui se lance en quête pour sauver le monde d'une météorite? C'est dans le 7. Sephiroth, il veut provoquer une météorite. Enfin, c'est Sephiroth qui envoie une météorite, simplement. Pour détruire, voilà. Et puis pour que la planète se soigne, pour avoir accès à la rivière de la vie, bref. J'ai connu ça grâce à Smash Bros. Dans quelle franchise, du coup, on incarne le détective nommé Cole Phelps? Dans Elle est Noire, très bon jeu. J'avoue qu'il que j'ai faut... un peu kiffé celui-là. Incroyable. Oh, Elle est Noire, magnifique. Bébouco. Oh là 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 là. Et un peu trop bien.
Alors oui, vers la, bah, oui, oui, malheureusement vers la fin. C'est un, bon, c'est un connard. Hein. Oui. Mais. Colle, c'est un connard. Mais très bon jeu. Nathan Drake, c'est dans Uncharted, évidemment, et pas Uncharted, comme dit TF1, bande de cons. Putain, ils ont vraiment dit ça. Ils ont dit ça, ils ont dit Uncharted. Le oh, nouveau jeu, c'est Uncharted. Parce que le film, peut-être. Le film, le film, ils ont passé Uncharted. Aïe, 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 aïe. Charles Lambert. Ça m'a trigger, quoi. C'est une suite, quoi. Dans quel... Oui, on incarne évidemment Ezio Auditore da Firenze. C'est dans Assassin's Creed 2, bien évidemment. Dans quel jeu de course on conduit la Bugatti Veyron? Bah surtout... Là où je me suis trompé, j'ai mis F. Alors... Ouais, pareil. Alors, en vrai, non, bah ouais, en F1, non. Mais sinon, il y avait Minecraft et Rocket League, je crois. Donc, oui. Bah du coup... Ah oui. C'est Need for Speed. Et dans quelle franchise... Non, mais la Bugatti Veyron, elle m'a induit à l'erreur. Ah oui. Ouais, ouais. Et dans quelle franchise, du coup, on incarne le Master Chief, le Spartan 2 Halo. Dans Halo, bien évidemment. C'est du sexisme, désolé. Ah ouais, du coup, il me... Oh, putain, après... Il y a un Star Wars. Vous en vrai, oui. Là, du coup, on peut continuer. Non, Star Wars, on peut faire. Ah, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent... Ah oui, si, Alexis... T'as un vote. Lucie, est-ce que tu peux faire Harry Potter ou Star Wars? Mais en vrai, je me dis, est-ce que je connais tant de persos de Star Wars? En vrai, attends, sinon... Parce que si c'est égalité, ça sera aléatoire entre Harry Potter ou Star Wars. La journée de la Terre, allez. Let's go. Half day. Donc, ouais. Donc là, Lucie, si tu veux voter pour... Ah non, c'est toi qui dois appuyer. C'est moi qui clique. Si tu veux voter soit pour Harry Potter, Star Wars ou Journée de la Terre, tu choisis. Aucun des trois. Putain, ça va être aléatoire entre Allez. Les deux. Ça va être Mowgli Foyreuil et puis c'est bon. Hein. Fight. Ah, c'est Star Wars. Ah, c'est bon. Let's go. Allez, au pif. Non, je rigole quand même pas. Ah oui, bah, oui. Là, par contre, ça va vraiment être au pif. Théoriquement de ça. Mais attends. Et bien, parce que je connais quand même l'ambiance. Attends, quoi? Mais... Ah, putain, la question 3, lourd. Bah, je vais mettre ça, mais bon, moi, nique. Ça? Quel est le nom de l'épisode? C'est 8? C'est celui-là. Le tout premier? C'est lui. C'est Seigneur Sith, mon personnage. Contre attaque. Putain, c'est... on arrive à la merde. Non, je pense dis, que c'est pas mal. Franchement, moi je dis c'est pas mal pour quelqu'un qui a pas vu les films. Et le frère. Pour la première fois, bah c'est. Moi j'ai des films, donc honte à moi si je me trompe. Moi j'ai eu 5 sur 10, c'est bon, j'ai la moyenne, j'ai mon bac. C'est bon, j'ai mon bac Star Wars. Bah, c'est déjà ça. Ah, c'est ça. Ouf. Oh, j'en ai une fausse. Ah, putain, c'était lui qu'on voyait en premier. Mince. Je savais même pas qu'on pouvait dire un chagrin d'amour. Ah ouais. Donc, du coup, au niveau des résultats... Ça s'appelle le... Le taco de Tsubo, quand tu meurs d'un... La chagrin d'amour. Ouais, ça s'appelle le taco de Tsubo. D'accord, je savais pas. Donc au niveau des réponses... Les Gungan, c'est... En vrai, t'as le cœur brisé et ton cœur, il gonfle et... C'est... Comment il s'appelle? C'est Giga Glock. Ah, comment il s'appelle? Donc... Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Comment s'appelle le vaisseau qu'on voit tout le temps? Comment s'appelle le vaisseau de Han Solo? C'est le Faucon Millennium ou le Millennium Condor, suivant... quand est-ce que... Le Millennium Falcon... Non, oui. 8 sur 10. Falcon. Il y a eu 9 sur 10. Il y a eu un truc... J'ai eu un truc, je savais que c'est je pas eu bon. Voilà, ça surprend. Jar Jar Binks. C'est ça que je cherchais.
De quelle couleur le sabre laser de Mace Windu? Il est violet. Alors, pourquoi il est violet? En vrai, il est violet parce que Samuel L. Jackson voulait ne pas avoir la même couleur que les autres. Donc, il a un sabre violet. Alors, ils ont dû broder une histoire sur le fait qu'il n'a pas le même cristal, machin, tout ça. À la base, c'est juste parce que Samuel L. Jackson ne voulait pas avoir le même sabre que les autres. Point. Moi, je veux un sabre violet, je veux qu'il soit différent voilà. D'abord. De quoi pas de même, elle meurt dans l'épisode 3, c'est de chagrin d'amour. Oui, ah, elle merde, meurt parce con, que... parce que, évidemment, Anakin est un sale con. Du je sais coup, pas pourquoi j'étais persuadée qu'elle mourrait de... après avoir donné naissance aux jumeaux. Alors oui, c'est pour ça que moi j'ai hésité avec maladie. Elle, ouais. Elle meurt parce qu'elle est triste. C'est ça, elle meurt après en fait. Et c'est vrai pourquoi, pour ça, moi je me disais maladie du coup, mais en fait non. Ouais, non, c'est moi j'ai juste, des blessures parce que dans oui. Le sens de... après la bah, grossesse. Oui, puis surtout en fait, que... Tout marche en fait, c'est ça. C'est ça en fait, parce que quand même elle se fait étrangler par un force choc de Anakin. Donc déjà c'est déjà pas super, déjà de base pour la santé. C'est violence qu'on rigole, putain. Donc c'est... Ah oui, non, mais l'épisode 3, c'est fun, hein. C'est vraiment... C'est très très fun. Ça donne pas envie de film. À quelle espèce appartient Chewbacca, bien sûr? C'est un Wookiee, évidemment, de Kashyyyk. Le nom de l'épisode 8, c'est Les Derniers Jedi. C'est pas eu bon. C'est lui que t'as galéré sur celui-là, non? Non, c'est... En fait, j'ai... Je crois que t'avais une ou deux questions d'avance sûrement, et j'ai... Je en fait, j'ai galéré sur celle où j'ai eu faux. Donc, la 6, évidemment, le premier droïde qu'on voit, c'est R2-D2 ou D2-R2 dans la version française. Parce que pourquoi bon. Pas. Ah oui, ouais, dans la version. Dans la première version française, c'est D2-R2 et Z6-PO. Pourquoi? Vous, pourquoi pas. D'où le Millennium Condor. Oui, l'Empire contre-attaque, c'est le 5. Et donc, oui, quel seigneur Sith on voit la première fois? Moi, j'avais mis Dark Vador, mais non, on voit Palpatine avant. Du et coup, moi, j'avais mis Maul, mais je suis con. Sachant par ailleurs qu'on voit pas vraiment Palpatine, parce que dans les premières versions, Palpatine n'a pas la tête que on lui donne. En fait, c'était un mec qui a été payé juste pour faire. Ouais, c'est on voit sa tête en hologramme en fait. Donc le premier qu'on voit, c'est Palpatine. Le frère jumeau de la princesse Leia, c'est évidemment Luke Skywalker. Et évidemment... En fait, moi, je me suis trompée à la question 5. C'est la question où, sur les épisodes. Il fait partie de la nouvelle trilogie. La dernière, ouais. Et l'Empire contre-attaque, j'ai mis contre Dooku au lieu de Palpatine. Non, Dooku était déjà mort. Donc, ce n'est pas lui. Oui, il meurt dans le 3. Ouais. Dans le 2. Fin du 2. Dooku. Oui, fin du 2. Comment s'appelle l'espèce de Yoda? Bah, il n'y en a pas. On n'en sait rien. C'est Yoda. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. Il ne dit plus rien. Oui, en gros, on ne sait même pas. On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas. Et quel nom chaleur de Kylo capture Han Solo dans l'Empire contre-attaque? C'est Booba Fett, évidemment. Booba Fett. Oui, c'est vrai. Next. Alors là. Ouh là là. Vite fait parce que le reste, voilà quoi. Ouais, bah, en vrai, il y a même pas de. Le site ne s'est toujours pas compté jusqu'à 5. Voilà. Ah, super! Ah, bah c'est... Oui, et c'est... La merde. Je vais dire ça. Je sais plus. Je vais dire ça. Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah non, je me suis trompée. Bah, je sais plus.
faire ça. Ah merde. C'était ça du coup, je crois. J'aime plus. Alors là, je sais pas. 8 sur 10, putain. Ouais, il y a des trucs, je sais plus. Hein. Je vais mettre... 17 sur 10. Putain, il y a des trucs... Ah oui, ok. Oh, mais je suis solide, hein. Ah, mais putain, je suis con, mais oui. Je suis bolé. 7 sur 10. Ah putain, j'ai hésité. J'avais bien deux fois la même réponse, ok. Ah, c'était Nîmes. Ah, oui. Eh oui, t'as mis quoi? J'ai mis Toulouse. Oui, mais le Gard. Mais oui, je sais. Le Gard. Il y avait rien qui allait, alors j'ai fait allez fuck it. Toulouse, ah, ça va, c'est pas dans le Gard. Et ben je vous annonce que je connais bien notre culture française. Moi aussi, et ça me surprend parce que bordel, j'ai répondu à pas mal de trucs au hasard. Là, je suis dernier. Je suis une énorme fraude. Donc, quel monument situé en Normandie commémore le débarquement des Alliés? C'est le mémorial de Caen, bien évidemment. Mais au pif. Comment s'appelle le célèbre phare situé sur l'île d'Oléron? C'était le phare du Chassiron. J'ai fait au pif et j'ai pas eu bon. Quel monument parisien abrite la musée du Louvre? C'est évidemment l'Élysée, hein, bien évidemment, dans le palais du Louvre. Quel est le nom du célèbre viaduc situé dans le Massif central? C'est le viaduc de Millau, bien évidemment. La seule réponse qui contenait le mot viaduc. Oui. Dans quelle ville française peut-on admirer pardon, le pont du Gard? C'est Nîmes. Ceux qui sont mis 15, hein. Je ne connais pas. Quel célèbre monument français situé sur la place Charles de Gaulle à Paris? C'est l'Arc de Triomphe. Quel est le monument de Paris qui a été construit pour l'exposition universelle de 1889? C'est la Tour Eiffel. Ouais, et évidemment, quel célèbre monument permet de voir jusqu'à 67 km par temps clair, mais il ne fait jamais clair parce qu'on est à Paris et que c'est pollué? C'est la Tour Eiffel, bien évidemment. Et quel est le monument parisien qui commémore la victoire des armées napoléoniennes? C'est l'Arc de Triomphe, à Paris et pas en Chine, parce que sinon, c'est pas la même chose, ni en Corée du Nord d'ailleurs. Parce que oui, il y a un Arc de Triomphe en Corée du Nord. Oui, ils ont copié. Oh, le plagiat! Faut pas chercher. Non, non. Comment s'appelle le palais de Versailles avant sa transformation en château? Le château du Trianon. Et pas. Voilà, moi j'avais mis Chambord, mais non, c'est vrai que c'était. Non, pareil, j'ai fait la même. Joublias. J'ai mis Fontaine d'Eau, je voulais ça. Joublias. Toujours le même cerveau. C'était... Joublias. Allez! Ah! Pas aller! Le pater des deux. C'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi? Oh my god! Bah alors l'impro, le problème c'est que moi pour vous faire chier je pourrais choisir le 3. Et comme ça on fait les grandes figures de la résistance. Sauf que là oui là du coup ça sera les grandes figures de la résistance, hein, je pense dans tous les cas. Ou alors je sélectionne Euclidienne et là c'est génial. Allez viens, on va faire chier tout le monde avec les maths là. Non, mais là dans tous les cas je suis dans la merde sur les 3 trucs. Et ça, je dois Allez. C'est le pif, hein. Non, allez, mais faisons la résistance. J'ai pas d'objection. Pardon? Bah, c'est. Bah, j'ai envie de dire ça parce que. C'est de la logique, peut-être. Haha! Oh là, y'a la peine. Vas-y, je passe. Idée. Je passe. Passer. Je suis sûr que j'ai pas eu bon sur celui-là, putain. Je passe. Oh, je sais plus, moi. Ah, j'ai su, je crois. Je crois que c'est ça. Ah putain, j'avais vu une vidéo de Mamie Twink à ce sujet. Ah merde, ça je crois. Non, c'était. C'est plus. Je pense que c'était lui plutôt. Je sais plus. Comment je me dis non là. Oh putain, mais je suis trop fort, frère. C'est trop marrant. Ah oui, non, mais d'accord. Oh là, bah, j'ai pas grand chose. Oh, je suis trop nul. J'en ai 4. Oh, j'ai pas grand chose.
Bah attends, mais c'est... ils avaient le même nom. Ah, c'était et pas René, c'était Henri Bassad. Il y a les Lucies, c'est les mêmes. Ah, je vois pas vos résultats. Ah, 2 sur 10. Allez, let's go. Waouh. J'ai fait 4. J'ai fait 4 aussi, yes. C'était quoi tes fautes, tes fautes? Alors, mes fautes, c'est t'es la 2. Bon, t'es bon, c'est peut-être non. Ah, mais bon, c'est la 1. La 1, la 3, la 4, la 5. Mais bonne. Ah, putain, ok. Ouais, mais bonne, c'est la 2, la 3, la 5 et la 7. J'ai eu bon qu'à la 7. Donc, où se trouve le mémorial de la France combattante qui rompt j'aurais dit son français. C'est le Mont Valérien, près de Paris. Ouais, qui non, est normalement. J'ai vu Montmartre alors que c'est con. Non. Quel est le nom de code du colonel Rémy, l'un des chefs de la résistance française? C'était Rex, qui est du coup le même que Jean Moulin. Pourquoi pas quoi? L'auteur du discours de Grenoble en 1942, qui appelait la résistance active contre l'occupation allemande, c'est bien évidemment Jean Moulin. Quel était le nom de code de Robert Schuman pour la résistance française? C'était Bernard et j'ai mis au hasard. J'ai mis Pierre. En quelle année la Croix de Lorraine est-il devenu le symbole de la France libre? Bah, dès le début, hein, en 40. Il n'y a pas eu de... Y a pas de... Dès le début. Nom de code donc, de Jean Moulin pour les services secrets britanniques, c'était Rex. Moi, j'avais mis Roméo, parce que je sais pas pourquoi, mais ça, je me suis dit j'ai pourquoi mis pas. En fait, non. Putain, mais... On met le même pif, quoi. C'est ça. Quel réseau de résistance? Et quoi, j'ai l'impression que ça faisait quelque chose. Et moi, c'était quel réseau de la résistance aida aux sauvages, bravo, oui, au sauvetage de plus de 1000 enfants juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est le réseau Marcel. Donc... J'ai eu beau. Qui est la figure de proue du mouvement de résistance combat? C'était Henri Frenay. Quelle est la première femme française à recevoir la médaille de la résistance? Bah, en fait, je pensais que c'était Lucie Aubrac, mais en fait, ouais, c'est bah, Marie-Madeleine Fourcade. Parce qu'en fait, c'est Lucie Aubrac. La question d'après, elle m'a fait rire. Oui. La vie, du coup. Quel est le surnom de Lucie Aubrac, membre de la résistance française? Et en fait, c'était Ginette. Donc. Elle est partie, Lucie Aubrac. Bon, bah, c'est le moment pour moi de faire le discours de tous les cancres qui existent. Ouais, mais ça me servira à quoi d'apprendre tout ça, de toute façon? Oula. On fait un dernier. Je connais aucun des trois. Ouais, là c'est pareil. Allez, on va dire ça à la limite, mais. Les frères Morse du White, c'est ça, non? Bon, moi, les gars, c'est ça, moi. Enculé, là. Bah, alors là, c'est quoi, comme là. Vous voulez. Moi, je vote pas en vrai. Moi, allez, va pour les web, allez. Mais what the fuck, vous êtes sérieux? C'est parti. C'est super. C'est pas putain. Pif. Alors, trop pique-nique douille. Vas-y, allez. Je crois que c'est en vue. C'est toi, l'an douille. Voilà. Au bout de 3. J'ai eu 3 sur 10, putain. J'ai rushé comme un porc, j'ai eu 3 sur 10. J'en sais rien. Je sais pas, on va dire ça. Je mets au pif au mettre. On a le dernier, mais s'il y a un quiz intéressant, en vrai... Oui, c'est là, celui-là. Parce que pour celui-là, j'avoue, bon. Mais qui fait ça? Faut arrêter d'être con aussi. Qui a réfléchi? Putain, j'ai eu 6. Ouf. J'ai eu 4. Putain. Attention, j'ai eu 4. J'ai eu 3, mais j'ai fini en premier, du pas coup, je peux m'en aller ça, de la salle comme un boss. Voilà. C'est ça. Maintenant, j'ai 4. Je suis le cancre du groupe. Admettons. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton résultat, Métro? On a hâte. Moi, je suis pas sûr d'en avoir, hein, ça, c'est sûr.
T'es pas premier. Ouais, là, moi j'en sais rien. Oh, c'est moi le prompt. Ah, ouais. Oh, tu sais là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a plein de trucs que en vrai, c'est des framework qu'on n'utilise jamais, quoi. Donc c'est ça le truc. Il y a plein de frameworks qu'on n'utilise pas. Laravel, on l'utilise pas. Svelte, on l'utilise pas. Tu veux dire que t'es dernier là? Oui. Il y a un problème. Non mais il y a plein. Il est dernier, il a pris plus de temps. Il y a un problème là. Comment c'est possible? Je suis deuxième les gars, comment ça se fait? Alors moi j'y connais rien donc moi j'ai répondu au pif. Tu peux voir là c'est que je me suis là c'est plein de frameworks qu'on n'utilise jamais quoi en fait. C'est ça le problème. Ah là là. Putain, le à part Angular qu'on sert mais et Ruby on s'en sert. C'est vrai qu'il y a plein il y aurait quoi après après. Putain, je pensais que c'était des. Elon Musk. Oh non, c'est. Bon, ouais, non, mais là, je pense que ça suffit. Là, c'est pas mal. C'est... Allez, let's go. En vrai, l'évolution d'Internet et du. Non, ouais, c'est un peu de la merde. Même si tu connais rien, allez, let's go. C'est marrant comment les ustensiles de cuisine sont plus intéressants pour moi, vraiment. Mais non, mais là. L'évolution allez, d'Internet et du web, moi, je veux juste tomber sur une question sur Antoine Daniel et puis c'est marrant. Allez, dernier. Dernier. Non mais là c'est... on va être trop partir sur des dingueries. Hein. Oh putain. What? Mais non mais c'est vous ça... êtes qui? Ah putain non c'était peut-être l'autre. Je sais plus. Pic, nick, douille. Non je rigole, je vais quand même réfléchir un peu. C'est ça. Ça je saurais pas. C'est ça. Je crois que c'était juste ça. Bien ça. C'est plus. Ça, c'est une super question. Je pense que c'est rien. Ah, une sur deux. Bah, il paie pas. Ah, putain, je l'ai pas vu dans la liste. Aveugle man. Oui, quand il parlait des bonus, oui, en fait, non mais. Début, en fait, c'est pour ça. Alors, la 7, c'est bâtard là, quand là, même. Là, j'étais nul à chier. Ah oui, c'était bien les adresses IP. Ouais, j'ai plus envie. La 7, c'est bâtard. Hein. Je suis désolé. Quelqu'un a mis 89 aussi. C'est là que je me dis 89. C'est là que je me dis, je suis pas si conne que ça en réflexion. En fait, la 3, j'ai pas vu qu'il y avait AltaVista. J'ai pas fait attention. Je savais même pas ce que c'était. J'ai vraiment pas fait attention. Vois, et moi, par contre, j'aurais dû croire que c'était ça. En plus. Par contre, la 7, je suis pas d'accord. L'ARPANET, c'est pas Internet. C'est avant Internet. Donc, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. On peut signaler une erreur si tu veux. Bon, je vais pas le dire parce que j'y connais rien. Bon, bon bah voilà. C'était sympathique. Bah ouais, c'était cool. C'était cool. Non, je vais s'arrêter. Non, bon, en vrai, on est obligé. On l'a vu, on est obligé. On est obligé. Oh mince ouais, alors. Mais je crois ballot. Que ça va être les mêmes questions que tout à l'heure. Moi, je l'ai fait. Ah bah oui, mais si tu l'as fait ça aussi. Ça va être niqué. Ah bah oui, mais si tu l'as fait aussi. Ah non, ah si. Putain, t'es obligé. Ah oui, je suis qui fait toc-toc. Je suis un peu plus forte en série. C'est ça. Ah. Oui, c'est ça. Je sais pas, mais. Sûr. Oh, dès que ça parle de ville, je suis dans la merde. Ok, 10 sur 10. Ouais, mais t'as triffé. Ah, non, parce qu'en vrai, vraiment, j'ai bugué sur des questions. Les questions que j'avais pas à la base, et bah, j'ai bugué dessus. Mais j'ai retrouvé les bonnes réponses. Let's go. 5 sur 10. Et je sais pas.
6 sur 10. M'en fous, j'ai regardé aucune des séries qui étaient mentionnées. Par contre, Tom et Jerry, vraiment, ça me... c'est juste pour me foutre en PLS qu'ils ont foutu ça. Après, c'était au hasard. Hein. Le bon pif. Là, c'était vraiment au hasard. Ouais. Ouais, c'était vraiment au hasard. Hein. C'est fou. À part le début. Léo, ça compte pas parce qu'elle a déjà fait. Bon, bah, je suis premier alors. Non, non, ça compte, hein, t'inquiète. T'inquiète, ça compte. Honnêtement, des questions qu'il y a que je savais pas. On voit la game. L'acteur principal de Narcos. Ouais, ça pareil, je savais pas. Les acteurs, je savais pas. Bah, j'ai eu faux de toute façon aux acteurs. Et en fait, c'est le seul truc que je savais pas. J'ai eu faux aux acteurs. Si, où ça s'est déroulé Orange is the New Black, mais c'est tout. En fait, c'est ça. Mmh. Si ça parlait pas de ville ni de série, j'aurais eu bon. Enfin, ni d'acteur, j'aurais eu bon. Mmh. Et ouais. Et ben voilà. C'est tout ? Non, là, c'est bon. Oh, la Pixel War ! C'est quoi la Pixel War ? Ces jeunes addicts sur leurs jeux vidéo. Si on la fait pas, je la fais quand même. Les allez, la dernière. Allez. On parie combien dernière, ça peut être la dernière. Non, parce que du coup, je ferai. Qui était présent lors de la bûche, quoi. Non, parce que du coup, je ferai pas New Game en fait. Oh putain. Ah, je sais plus. Alors ça, ah, je sais pas. Sais plus non plus. On va dire ça. Je pense que c'est d'annuler la compétition. Elle fait rire la question 3. On va dire ça. Aucune idée. C'est rien. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah. Bah en vrai, la question 3 elle est un peu nulle. Hein. Mmh. Bah en vrai, c'est... je vais dire ça parce que. Je sais plus. Pas. En vrai, je sais. Je vais dire ça. Oh. Pff. Non, attends. Je me demande si c'est pas ça. Oh si, c'est forcément lui. Mmh. 4 sur 10, je m'en fous, j'ai pas suivi. Ah. La 9 me fait rire. Ah, la 9, j'ai pas eu bon, mais j'ai hésité entre les deux. Attends, je vais pas faire la rêve du truc. C'est une grande surprise. Vas-y. J'ai 1, c'est bien. J'ai 3. C'est que la question de Kameto. Salut Zizou. Salut Kamel, c'est Zizou. Kamel, c'est Zizou. Sérieusement, j'ai gagné. Salut, Sissou, c'est Kamel. J'ai même pas participé à cette merde. Oh putain, c'était si drôle. Ah, mais il y a des trucs, ouais, c'est. Ah, c'est le truc de trop. La de purée. C'est Kamel, c'est Sissou. Salut, Zizou, c'est Kamel. Bah, du coup, on va s'arrêter là. J'aime bien parce qu'il appuie pas sur après parce que... Non. Non, j'appuie pas, non. Vas-y, non, monte, non, non. Mais on dit rien. On jure solennellement que nos intentions sont mauvaises, ok. Solennellement, je change ma scène. Oh non, bah, c'est bon. C'est que de la merde. En vrai, c'est bon. C'est que de la merde, c'est bon. En vrai, ok. C'est super. Allez. Y a pas eu d'attrait pour ça. Nous sommes libres. Y'a eu R. Hop. Bah en tout cas, c'était cool, c'était bien cool. Bah en vrai, ce site-là, je vais le mettre sous le coude, parce que c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui est con, c'est que tu peux pas vraiment... Enfin, quoi que je dis tu peux pas, j'ai peut-être même pas fouillé, en fait, c'est ça le truc. Mais est-ce qu'on peut pas juste faire une liste de quiz, en fait ? Allez, MicroWorks. Ah ouais, non mais ça, MicroWorks. Non mais en vrai, MicroWorks, là, après le live, je vais l'installer et je vais peut-être le lancer un peu. Ah oui, tu peux créer un quiz avec ChatGPT. Oh, ouais. Wow. Oui. Non, attends. Non, j'ai un crédit. C'est pour ça que je voulais attendre. C'est quoi le nom du site ? C'est Infinite. Infinite Quiz. Nos quiz. Vous avez des quiz sur ça ? Non. Il y a un quiz sur YouTube avec Squeezie en fait. Oh, les YouTubeurs. Les YouTubeurs. Attends, les streamers. Est-ce qu'il y a les streamers ? Non. Est-ce qu'il y a Twitch FR ? Non. Non. Est-ce qu'il y a... Vas-y, YouTube. YouTube. Ah oui, YouTube avec vraiment juste
Squeezie. Putain, mais il n'y a pas Twitch stream peut-être ? L'Eurovision. Non. YouTube, vas-y, je vais te faire Eurovision. YouTube. Attends, je le fais aussi YouTube, tiens. Vas-y. Oh. Allez, bon, vas-y. Bon, c'est du coup, ça. Passez une agréable soirée, une très bonne nuit, c'était yep, cool. Toi aussi. Bonne soirée. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour du Microworks. Yep, on verra. Oh putain, si... ça je sais. C'est quoi ? Pardon. C'est quoi Microworks ? La monétisation de sa chaîne. Alors je sais pas si Microworks est disponible sur Mac malheureusement. Donc donc ce serait peut-être pas possible. Mais on essaiera de voir si on peut se faire du Microworks vite fait. Et sinon on refera je pense du quiz. Je vais le mettre sous le coude. Parce qu'en vrai, c'était vachement bien. Site que j'ai trouvé complètement à l'arrache. Et mais en vrai ouais ce serait vachement bien parce qu'après j'avais refait du Blinest moi de mon côté hein. Ça dépend si après des gens aiment bien Blinest mais au moins là au moins le quiz au moins j'ai on sait qu'on peut on peut le faire tranquillement. Non, c'est juste Baby Shark qui m'a niqué la gueule. Sérieux j'ai tout bon. Oh là qu'est-ce que je connais YouTube, j'ai pas eu bon critère pour remplir les pour monétiser la chaîne. Ok. Ouais, ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, c'est ça le problème. Celui-là que je disais, ah, mais je connais bien le truc de monétiser. J'ai pas eu bon au YouTube Music Award et j'ai pas eu bon à la durée maximale, mais en même temps, j'ai vu des rediffs de là qui étaient beaucoup plus longues. Ah ouais, bon, j'ai les gars, vu les 12 heures. Ouais, bonne soirée. Y'a pas de soucis, bonne soirée à tout le monde. Ouais, non mais on verra bien à ce niveau-là, on verra bien. Vas-y, parce que ce serait cool, je serais sûrement... Allez, on va aller installer... Non, je serai pas dispo de toute façon, puisque je vais boire un verre avec les gens de ma formation, c'est la dernière. Ok, non bah y'a pas de soucis. Dans tous les cas, tu ne penses pas que je serais dispo. Ouais, bah du coup on se fera du Microworks, je pense, la semaine prochaine, oui. Tranquille, bilou. Oh, j'ai grave voilà. Lancé et créé mon perso, là. Bon bah bisous. Bonne soirée. À plus. À la prochaine. À plus tout le monde. À plus. Et hop, et nous donc du coup, nous aussi on va se dire à demain donc du coup pour du Palworld avec Néo. Peut-être que oui du coup la semaine prochaine on se fera du Microworks tranquillement. Avec du coup avec Alexis et Néo et peut-être Arthos et d'autres personnes, ce serait cool qu'on soit au moins 4, ça serait pas mal. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, au compte Twitter Metroid de stream et évidemment à la chaîne Twitch. On se retrouve donc comme je le disais demain 20h30 pour du Palworld. Sinon mercredi, ça sera mercredi après-midi du Flight Simulator et jeudi soir du Flight Simulator également. À la base, il ne devait pas y avoir de stream vendredi. Je ne sais pas si je vais streamer ou pas, je verrai bien. Peut-être que je ne streamerai pas, on verra. On verra. Mais en tout cas, vous serez au courant, bien évidemment. Portez-vous bien et à demain 20h30 pour du Palworld. Allez, ciao.